résidence royale postérieure à la Reconquête, ce palais-forteresse doit son manque de splendeur actuelle au fait qu'il fut utilisé comme siège de l'Inquisition, puis comme prison. Aujourd'hui, la visite vaut le détour pour ses charmants jardins de style andalou. Près du pont romain, le grand fleuve Guadalquivir serpente entre des bancs de sable où, en été, fleurissent les lauriers roses. La cathédrale de Cordoue a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. La grande mosquée, troisième du monde islamique du Moyen-Âge par la taille, impressionne tout autant par ses dimensions que par le caractère unique de son architecture. Le spectacle est stupéfiant. On se retrouve plongé dans une véritable forêt de colonnes et d'arcs dont le motif semble s'étendre à l'infini. Également connue sous son ancien nom de Grande Mosquée de Cordoue, cet ancien temple romain devint église puis mosquée avant de devenir cathédrale. C'est un des monuments majeurs de l'architecture islamique, témoin de la présence musulmane en Espagne du 7e au 15e siècle. La pratique du culte musulman est formellement interdite dans cette mosquée. Les Juifs arrivèrent à Cordoue avant les Arabes et, très vite, occupèrent une place importante dans le commerce et l'enseignement des sciences. Ils accueillirent les musulmans avec sympathie et se regroupèrent dans un quartier constitué d'une multitude de petites rues concentrées autour de la porte d'Almodovar.
ruelles blanches, portes ouvertes sur des patios fleuris, grilles ouvragées et bars typiques, il est impossible de résister au charme du quartier juif. Quando sei in mare a dolore, quando sei che mal d'amore, quando sei in mare a su vela, quando sei in mare a dolore, quando sei in mare a dolore, quando sei in che mal d'amore, quando sei in mare a su vela, quando sei in mare a dolore. Baila, 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 baila me, esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Cette vaste place rectangulaire n'est pas sans rappeler les grandes places de Castille. Pendant des siècles, ce fut un important lieu de réunion et la scène d'autodafé, de fêtes, d'exécutions, de marchés et même de corrida au XIXe siècle. Sur la Plaza de los Capuchinos, on croit atterrir au milieu de nulle part. Cette place blanche, vide et un peu décrépite, est cernée par les bâtiments du monastère des Capucins. En son centre, le Christ en croix est entouré de lanternes, semble abandonné de tous.